Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 12e épisode sur Assassin's Creed Mirage. Donc, on s'est arrêté caché comme ça et on doit aller parler au chef des marchands pour savoir... je ne sais plus, on va obtenir des informations. Bon, j'ai pas besoin d'être discret à ce point-là. Ah oui, savoir pourquoi la caravane n'avance plus, ici en paix. Assalamu alaikum. Je suis envoyé par l'une de vos amies, qui s'inquiète de votre sort. Comme te l'indique la tête de ce cheval, elle n'a pas tort de s'inquiéter. Nous ne savons pas quoi penser de tout cela. Laissez-moi vous aider. Je peux peut-être découvrir ce qui est arrivé. Nous t'en serions reconnaissants. Le coupable a dû laisser un indice. Des traces de pas et de sang. La tête de cheval a été apportée au centre du campement. Mon cheval, mon aubergine adoré. La tête a été coupée. Qui a pu faire une chose pareille ? Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai rien fait de mal, moi. Bon, lui, j'imagine qu'il faut l'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est arrivé durant la nuit. Je n'ai pas bien vu, mais... Il me semble avoir vu quelqu'un. Je crois, je n'en suis pas sûr. Il y a un autre qui brille en orange. Oui, un autre bonhomme. Est-ce que c'était ton cheval ? Il est chez Hadès maintenant. Non seulement je dois me soucier de la cupidité de Bagdad, mais je dois aussi m'inquiéter pour mes bêtes. Malaka. Repose en paix, mon aubergine. Mon aubergine. Un légume, ça. Un coffre là-bas. Et un truc suspect qui brille. Je crois savoir ce qui s'est passé. Peux-tu la voir, la note ? Non. Le but était de vous intimider. Quelqu'un cherche à empêcher votre arrivée. Non, non. Mais qui ferait une chose pareille ? Je n'ai pas d'ennemis. Aucune querelle. Les choses risquent de s'aggraver si vous continuez votre chemin. Je me propose de vous escorter jusqu'aux portes. Tu ferais cela pour nous ? Shukran ! Dieu te bénisse ! Vite, allons-nous-en d'ici ! En route. Allons-y. La ville n'est pas très loin. En route ! Il faut partir d'ici. Vite ! J'aurais mieux fait de rester chez moi. Où est-ce chez toi ? Je viens d'une contrée appelée Grèce, à l'ouest, de l'autre côté de l'eau. Avec mon cheval, aubergine, je transportais des marchandises à Bagdad. Ah, les villes que nous avons vues. Al-Quds, Basra et même Samara. Mon ami la commerçante m'a dit que ces marchandises étaient destinées au Dairat al-Mal. Mais les grandes enchères sont un événement majeur, et cela fait augmenter la demande. Alors, tu comptes y assister ? Y assister ? Ah, j'aimerais avoir assez d'argent pour ça. Non, non, nous ne faisons qu'aider aux préparatifs. Qui vous envoie ? Vous êtes faits comme des rats. Pour entrer à Bagdad, il faut en payer le prix. Tout le plaisir a été pour nous. Tu vas souffrir. Ah là, je vais prendre un peu de temps.
Ah, j'étais en train de faire un finish him. Ta tête sera au bout d'une pique. Lettre d'exécution. Il faut trouver ces marchands. L'un d'eux sait où je suis et pour ma sécurité, je dois taire à jamais. Il doit se taire à jamais. Autant tuer aussi les autres, ils n'ont aucune importance. D'après ce que j'ai appris, ils devraient se diriger vers l'ouest de Bagdad. Trouvez-les et rendez compte. Une récompense en argent attend ceux qui viendront annoncer leur succès. Par le ciel, ont-ils été envoyés pour nous tuer ? Absolument. Ça n'a rien de surprenant. Nous sommes exprimés contre le califat et ses impôts injustes. Cela peut nous coûter la vie, mais l'agneau silencieux est l'allié de la corruption. Ces gens n'aiment pas qu'on s'oppose à eux. Cela ne m'étonnerait pas qu'ils fassent de nous un exemple à l'intention de ceux qui seraient tentés de faire de même. Les gardes rendent compte à quelqu'un du nom d'Al-Anka. Voilà qui vient confirmer mes soupçons. Bagdad, vous voilà davantage en sûreté. Tu es merveilleux. Merci à toi. Nous y sommes. Mille merci, Yassaïdi. Même si Bagdad n'est pas un lieu sûr, rends-toi compte, on parle sur les marchés de négociants traînés hors de leurs échoppes. As-tu entendu de telles injustices ? Qui pourrait faire ça ? Selon la rumeur, c'est aux étrangers qu'on s'en prend, aux marchands qui ne sont pas d'ici. Les Abbassides, ils veulent une part de toutes les affaires. Quand il y a de l'argent en jeu, les vicomtes peu. Le message qu'avaient les gardes provenait de quelqu'un appelé Al-Anka. C'est cette personne qui est derrière les attaques. J'ai entendu les gardes appeler Al-Anka le collecteur d'impôts. Ce qui est étrange, parce qu'Anka est féminin, non ? Dis-moi son nom, et où je peux le trouver ? Suhail habite une demeure de l'ouest de Dakar. Sois prudent, je doute qu'il agisse seul. Merci, l'ami. Wafakak Allah. Bon, alors, voyons voir ce que ça découvre, ça. Et lui se ressemblaient. Alors, donc, examiner la demeure du collecteur d'impôts. Voilà. Ça. Est-ce qu'on peut acheter des montures ? Salut à toi. Bienvenue. Que proposes-tu aujourd'hui ? Voici mes marchandises. Alors, écurie, vous pouvez acheter ici de nouvelles apparences pour votre monture et pour Ndiku. Vous pourrez les modifier à tout moment en employant les services d'écurie. Donc on peut avoir des chevaux et non et arrêter le dromadaire. D'accord, et ça coûte 125, ah oh, c'est pas si cher. Ok, bon, je voulais juste voir ce qui était disponible. Prends ce... Va-t'en d'ici. Synchro. Le bâtiment en face, là, c'est celui qu'on a vu dans l'énigme. Il y a le mur, le cours d'eau. Yes. Il avait un mégaphone, lui.
Attends, normalement, on se met en face du bâtiment. Il y avait un petit point d'eau. Sur la droite en avant. Donc, le palais il est là. Le point d'eau il est là. Et voilà le trésor. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? C'est historique. Nouveau lieu ici, dans ce slot, dans le monastère. Ouais, ok. Bon, j'ai raté un coffre. Je dois aller là-bas maintenant. Ah mais je pensais qu'il allait grimper à la corde. Bon, on peut pas toujours passer sur les toits de façon directe. Oups, j'ai pas le droit d'être là. Allez, cours. Ce petit collecteur d'impôts mérite une visite. Soumets-moi ce
Merde. Que vois-tu, mon ami? Allez, on enregistre les positions. Regarde juste là. Ok. Bon, lui, faut que j'arrive par derrière. Est-ce qu'on peut rentrer par là? Non. Oh, il va tout seul, lui. Ah, mais... Oui, tant je me trompe à chaque fois. Bon, j'ai pas besoin de tuer les autres. Même les leurs.
Merde. Je vais t'arracher les tripes. Le gros bug. Oh, c'est pas par là qu'on rentre de toute manière. Mais c'est par où qu'on rentre? Voilà. Bouffe devant, je veux encore manger. Voilà, full vie. Ordre d'augmentation de l'impôt sous la sous Heil. Trouvera ci-dessous les propositions d'augmentation appliquées. Grain 1/20, aliment 1/10, textile 1/10, porcelaine 1/5. Et conformément aux règles en vigueur, les Dmimi. Les Dimi, pardon. Doivent payer davantage, alors applique à chaque infidèle 1/10 de plus que l'impôt prévu. N. Des ordres d'augmenter l'impôt. Ce qui veut dire plus d'argent dans leurs mains. Je peux peut-être trouver d'autres informations par ici. Ma seconde et dernière lettre, Al Ankar. L'argent se fait rare. As-tu augmenté l'impôt comme je l'ai demandé? J'ai entendu dire que tu rencontrais quelques obstacles. La cargaison de parfums est également en retard. Je me suis dit que, comme tu étais de la région, tu te débrouillerais mieux que moi. Mais il m'est arrivé de me tromper. Je n'ai pas coutume d'avoir à envoyer plus d'un courrier pour obtenir satisfaction. Je n'en envoyais jamais de troisième. Le collecteur d'impôts ne travaille pas seul. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Quelqu'un d'étranger à Bagdad. Une senteur émane de la lettre. Du parfum. De la rose avec... du fait. Bah, il est où le dernier indice? Là-bas. Oh Dieu, il est loin à l'extérieur. Financement de barrières approuvé. Nous sommes la somme convenue a été prélevée sur le produit de l'impôt de Karkia. Afin de compléter la barrière du port conformément aux instructions. La barrière, au port, elle est financée par l'argent de la population. J'en ai terminé ici. À présent, examinez l'autre piste.
là, mais je vois rien. Je vais réduire tes os en poussière. Ça lâche. Allez, on s'en va. On va pas chercher le combat, ça rapporte rien. C'est vraiment bizarre l'animation de nage. Alors le coffre à 150 mètres, c'est quoi? C'est un endroit fermé comme d'habitude? Ah, c'est le fameux coffre du marché. Qui était relié à lui, c'est fait. Maintenant, on a Kong. Récupérer les feuilles de thé. Ok, on va s'arrêter là. Je vais juste me rapprocher de l'endroit où on doit aller pour cet événement-là, cette enquête-là. Ok, c'est un endroit à infiltrer, donc on va commencer par escalader ici, mais en discret, et on s'arrête là. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer, n'hésite pas à mettre un commentaire et partager avec la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné, je t'en remercie grandement, et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.